En 2024, l'évolution toujours plus rapide de la technologie entraîne un événement sans précédent. La totalité des logiciels inventés par l'être humain étaient devenus vivants. Blender, l'un d'entre eux, s'est lancé à la traque des logiciels non libres, mais il ne pensait pas tomber sur son pire ennemi, Maya. Je suis Romain Gilliot, créateur du centre de formation Motion Life Teach, et j'ai réalisé entièrement le film que tu viens de voir. Alors je sais ce que tu te dis en ce moment. Putain, mais ce film est ouf! J'ai trop envie de savoir faire ça, moi aussi, ça a l'air trop cool! Et c'est bien normal, on est tous pareils. Mais voilà le truc. Pour pouvoir ne serait-ce qu'espérer faire un film comme Blender vs Maya, il faut que tu aies compris et que tu maîtrises parfaitement les bases de la 3D. Mais ces bases, malheureusement, elles sont pas du tout faciles à acquérir. Avec ces milliers de tutoriels qui pullulent de partout sur internet, qui disent tous tout et leur contraire. Tu sais plus où donner de la tête, n'est-ce pas? Eh bien c'est pour ça que j'ai créé le pack gratuit Top Chrono. Top Chrono, c'est un pack qui contient une formation de 7 jours où tu apprends les bonnes bases indispensables pour pouvoir maîtriser les logiciels Blender et Maya. Et en bonus, le 7ème jour, tu reçois 12 vidéos où je t'explique en détail de A à Z directement sur le logiciel comment j'ai créé le film Blender vs Maya. Tu as en plus de ça tous les fichiers 3D à télécharger, les textures, les erreurs qu'on a faites, notre rétro-planning, bref, la totale. Tout ça est totalement gratuit, c'est sans bullshit, et donc si tu veux recevoir le pack Top Chrono maintenant, clique juste ici. Si la 3D t'intéresse, tu n'as honnêtement aucune raison de ne pas cliquer. C'est la solution pour devenir à l'aise et autonome sur les logiciels Blender et Maya en seulement 7 jours. Et c'est gratuit, sans bullshit. Honnêtement, c'est la solution qui te manque.